C'est devenu la vedette de l'alimentation bio et c'est ici qu'elle pousse à 3700 mètres d'altitude. Voilà le grain d'or, c'est ça le quinoa. Et là, c'est une variété de quinoa rouge. La famille d'Agustín Flores cultive depuis 3 générations du quinoa réal, la variété la plus recherchée de cette plante. Ces terres semi-désertiques des hauts plateaux boliviens sont le seul endroit au monde où elles poussent. Cette année, la récolte s'annonce mauvaise. Ici, il devrait y avoir un plant de quinoa, et là un autre. Or, ici, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est à cause de la sécheresse. Nous avons perdu 50% de ce que nous avons planté cette année. Jadis aliment du paysan, le quinoa a conquis au cours des 20 dernières années les consommateurs des pays développés grâce notamment à sa grande teneur en protéines. Nous exportons vers l'Australie, l'Angleterre ou encore la France. Ce que vous voyez là, ça doit justement partir demain dans 2 containers vers les États-Unis. Dans cette usine, la récolte de 5000 producteurs boliviens réunis en coopérative est rassemblée, triée, lavée, séchée et conditionnée avant exportation. L'an passé, la Bolivie a exporté plus de 15 000 tonnes de quinoa pour environ 33 millions d'euros. Un succès qui a amélioré le quotidien dans la région. L'éducation est plus présente, l'alimentation s'est améliorée, la vie est meilleure maintenant. La seule chose qui nous préoccupe, c'est le risque de sécheresse. C'est pour ça que l'on souhaite installer un système d'irrigation. La totalité du quinoa exporté par la Bolivie répond aux normes bio. La culture millénaire de ce grain d'or reste cependant fragile face aux aléas climatiques, tout comme les bénéfices qu'en tirent les producteurs boliviens.